Salut les amis, c'est Kensei et bienvenue pour cette présentation du jeu Dwarf Complete, Lineage 2, The Chaotic Chronicle. Et oui, parce que c'est un jeu dérivé du jeu Lineage 2, mais en version Flash. En fait, c'est un jeu Flash que je connais encore depuis un sacré nombre de temps, et c'est un jeu sur lequel j'ai toujours accroché, que j'ai adoré. Donc vous voyez, il existe depuis une bonne dizaine d'années, ce jeu. Je l'ai fait un paquet de fois. Ça fait quoi? Ça fait bien 3-4 ans que j'y ai pas retouché. Mais vous allez voir, c'est un jeu Flash vraiment sympa, et je voulais vraiment vous le présenter, parce que tout simplement, c'est un jeu sur lequel... comme je l'ai dit, j'ai passé du temps, tout simplement. Donc j'aimerais bien pouvoir vous montrer ça, en espérant que ça vous plaise. Donc Dwarf Complete, qu'est-ce que c'est comme jeu? En fait, c'est un jeu Flash très très simple. On contrôle ce petit personnage. Il va falloir qu'on récupère ces objets au sol. Vous voyez, ces objets qui sont repris de la licence, comment ça s'appelle? De la licence Lineage, tout simplement. C'est des objets de Lineage. Donc on récupère ces objets. Et en fait, quand on va récupérer ces objets, tout simplement, ça va nous ouvrir des portes et on va pouvoir avancer jusqu'à temps d'arriver à la fin du jeu. Donc vous voyez, là, la porte se ferme. Je récupère cet objet qui m'a ouvert la porte à gauche. Mais là, vous voyez, je suis bloqué. Mais non, en fait, vous voyez, regardez l'ombre ici, je peux passer. Donc voilà le jeu, en fait, en gros, ça va être plein de puzzles à faire. Et franchement, je trouve ce jeu fort bien fichu. Et c'est un jeu, comme j'ai dit, vraiment, j'ai passé énormément d'heures. C'est vraiment un très très bon jeu. Alors là, vous voyez, il nous explique des petites choses. Que l'aimant, ramène les blocs en ferraille vers lui. Et que pour faire l'aimant, il me faut un sac et une pierre. Parce qu'on va devoir crafter dans ce jeu. Là, pour faire la pioche, il va me falloir une pierre, un bois, un os. Ça, il va me falloir ça, ça, ça. Ok. Ok, donc vous voyez là, il nous montre les différents crafts que l'on va pouvoir faire. Parce que vous voyez ici, on a un statut, on a les trois objets que j'ai récupérés. Pour arriver à la fin du jeu, il faut avoir récupéré les 40 objets. Donc c'est simple, on n'en demande pas plus et c'est parti. Alors là, vous voyez, pareil, l'ombre, on le voit tout de suite. Là, il y avait un petit passage secret. Et on a récupéré une lune. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous présente ce jeu, tout ça. C'est vrai que c'est basique comme jeu. Hein. C'est vraiment très basique. Mais voilà quoi, c'est tellement un jeu qui m'a marqué. J'ai passé tellement de temps sur ce jeu et je l'ai tellement fait un paquet de fois. Que voilà quoi, je voulais vous le présenter. Alors là, c'est le truc tout con. Il y a des trous tout autour. Voilà, c'est ici qu'il n'y a pas de trou. Alors, ça nous a ouvert ici. Alors, comme ça, ça nous... Ok, oui, je me rappelle de ce puzzle. Donc, comme ça, vous voyez, ça nous dit dans quel ordre activer les boutons. Donc là, 1, 2, le 3, il est là-bas. Le 4, il est ici. Ensuite, le 5, le 6, le 7 et le 8. Alors la musique, sinon, elle peut être très légèrement énervante au bout d'un moment, on va dire. Voilà, on utilise la clé. Et là, on a un nouvel objet qui nous ouvre ici. Allez, le coffre, je crois qu'avec la clé, on peut l'ouvrir. Et on a le sac. Donc on a vu tout à l'heure dans les éléments de craft, le sac va nous permettre de crafter un item particulier. Ouh là là, on dirait que l'ombre... Ah non, l'ombre, elle est normale. Alors, comme j'ai dit, hein, ça fait 3-4 ans que j'y ai pas joué, même peut-être 5 ans. J'ai dû le finir 4-5 fois, ce jeu. Mais ça fait vraiment un paquet d'années. Hein, donc, je me rappelle vraiment plus de grand-chose. Voilà. Hop, ça, c'est parfait. Donc, vous voyez, le trou là-bas, fallait le trouver. Hein. Là, je sais plus, il y avait les trucs, mais au-dessus... Ouais, il nous faudra la pioche. Donc on peut aller en bas vu qu'on a eu la clé. Hop, allez, c'est parti. Alors je vous mettrai le lien du jeu en bas dans la description. Même si en Google vous tapez Dwarf Complete, hein, vous devrez le trouver sans trop de mal. Alors là, ok. Alors ensuite, là, on y est allé.
Est-ce qu'on a ouvert des nouvelles choses? Non. Je crois que ça, on pouvait le pousser, non? Ah non, bah je rêve alors. Je me rappelais qu'on pouvait le pousser, ce truc. Mais non. Alors là, ah oui, on va pouvoir utiliser notre clé. Voilà. On avance, hein, tranquillement. Alors, au début, ça peut paraître simple, mais je peux vous assurer qu'après, il y a des puzzles qui font un petit peu mal au crâne. Ah, j'ai vu où il faut aller. J'ai vu. Vous avez vu l'ombre ici, regardez. Hop. Toujours avoir l'œil. Hop. Voilà, ça m'ouvre les deux portes. On va déjà aller à celle du bas. Ah ouais, oh c'est chiant ici. Oh c'est chiant. Ah il me faudra en plus je crois le... Comment ça s'appelle? L'aimant. Pour pouvoir bouger les blocs. Parce que vous voyez là on peut pas... Vous voyez on glisse. Donc là il faudra se prendre un petit peu la tête. Il faudra... Et ouais il nous faudra l'aimant. Donc on n'a pas encore l'aimant. Alors on va aller là-bas. Ah oui, là en appuyant, ça tire un boulet. Ok. Là, il faut qu'on casse. Donc, je pense que vous avez compris. Oh là là. Oh non. Voilà, bien. Oh, celui-là, il va nous embêter, celui-là. Oh non. Je retire exactement au même endroit. Ah bah non, bien. Oh, mais ça m'est arrivé des fois en passer du temps sur ce truc-là. Alors, la clé. Hop. On a la pierre. Ah, bah, la pierre et le sac. On peut faire l'aimant. Ouais, on a la pierre et le sac. On va aller faire l'aimant après. On va déjà aller voir ce qu'il y a là. Ah, voilà. Celui-là, il était caché, mais on le voyait quand même, hein. Ah oui, je me rappelle, ok. En fait, le canon qu'on a eu tout à l'heure, va falloir le lever de position. Et en le levant, en fait, réussir à tirer au-dessus du mur pour qu'il casse ce bloc ici. Ok. Ah là, il nous faudra le feu, ok. Il nous faudra la torche pour allumer. Ah bien, comme ça, ça nous remet ici. Voilà. Donc là, vous voyez, on a pu crafter... L'aimant, notre premier objet. Ah, ce jeu, pour vous, ça paraît rien, mais pour moi... J'ai passé tellement de temps sur ce titre. Donc voilà, là, on a levé le canon, normalement. Non, on l'a toujours pas levé? Ah, pourtant, je pensais que ça levait le canon. Fais voir. Non, non, ça l'a pas levé. Bon, qu'est-ce qu'il fait, ce truc-là? Et là, toujours pas levé? Ah bah non. Alors, je sais plus ce qu'il fait, ce truc-là. Ah là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Alors, c'est peut-être ce bouton qui fait lever. Peut-être ce bouton. Ah non, toujours pas. Bah, je sais pas à quoi ils servent, ces boutons. Bon, bah écoutez, on a l'aimant maintenant. Donc, on va faire le petit puzzle en bas. Pour récupérer les deux objets. Donc voilà, on en a récupéré un. Donc je vous saute un petit peu les passages où je cherche, hein, pour le puzzle. Parce que c'est pas très intéressant de me voir chercher. Donc on en a récupéré un, j'ai bougé les blocs. Alors donc vous voyez, quand on a bougé les blocs, on peut les reset avec ça là-haut. Et on va essayer de rechercher le deuxième. Alors... Alors, pour faire le deuxième, on va ramener celui-là là. Ah, mais avec ce que j'ai fait, je viens de réfléchir, avec ce que j'ai fait, j'aurais pu prendre directement les deux. Hop,
Hop, hop, voilà. Et hop, voilà, comme ça on a les deux. Alors, celui du bas. Ah d'accord, il nous faudra la torche pour ici. Et ici, un nouvel objet. Parfait, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qui nous a ouvert cet objet? Après, plus ça s'agrandit le terrain, plus quand on trouve un objet, il faut qu'on cherche ce que ça nous donne. Alors sinon, ces boutons, je me rappelle vraiment plus du tout ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qui nous a ouvert l'objet? Alors, rien ici. Non, là, il nous faudra la torche, évidemment. Rien non plus ici. Alors, ça n'a rien ouvert dans le coin. Hop, on va retourner vers le début. C'est peut-être vers le début que ça nous a ouvert une porte. On va aller voir ça tout de suite. Non, rien ici. Bah alors, qu'est-ce que ça nous a ouvert? Rien ici. Oh là là, et puis je tombe. Ah oui, j'avais oublié. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'avais oublié. Hop, avec la clé. Bah tiens, on récupère le morceau de bois. Très bien. Bah ça aura servi tout compte fait. Alors, rien ici. Non, ça nous a pas ouvert la porte ici. Bon, là, je ne sais pas ce que ça nous a ouvert, les amis. Allez, en haut, on n'y est pas encore allé. Non, pas la porte à droite. Et ici. Ah bah, ça nous a ouvert la porte en bas. Vous voyez ici. Ok, faut le trouver, hein. Ah, là, on aura besoin de la pioche. Ah, mais je crois que la pioche, je peux toujours pas la construire. On va aller regarder, mais je crois que je ne peux toujours pas la faire, la pioche. On va aller voir ça tout de suite. Non, je peux toujours pas faire la pioche. Il me manque l'os, donc il faut trouver l'os. Bon, de toute manière, je pense, les amis, hein, qu'on va se laisser là, parce que je vais pas non plus faire tout le jeu avec vous. Mais je vais vous avouer que là, ça m'a donné envie d'y rejouer. Je pense que je vais me le refaire jusqu'à la fin, le jeu. En tout cas, c'était un petit jeu flash, hein, Dwarf Complete, qui existe depuis pas mal d'années, qui est franchement sympathique. Une petite vidéo sans prise de tête, hein, vraiment comme ça, fait à l'arrache. Mais j'espère que ça vous aura plu en tout cas et que ça vous aura donné envie de le découvrir. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Allez, salut les amis, à plus, ciao, bye bye.